Excusez-moi, j'étais juste à côté, je me permets, j'entendais la conversation. Oui. Erin, je me présente, Erin. Vous souhaitez réparer la charrette pour ensuite aller vendre votre marchandise à Vercol, c'est ça? Oui, en partie, ouais. Il y a beaucoup sur la charrette en termes de poids, Claude. Elle est bien pleine, oui. Ça ne fait aucun doute que les sacs de graines à côté et de pistes ont largement été survolumineux, étaient un petit peu lourds. Sans doute que ces sacs a dû un petit peu casser la roue. D'accord, donc savoir si c'était transportable ou pas, par exemple si j'en prenais, ou si non, c'est infaisable. Les armes, vous pouvez, il n'y a pas beaucoup d'armes, hein. Il y en a un petit peu, mais... Ce qu'on peut faire, c'est que moyennant rétribution, on peut vous aider à emmener un certain nombre de marchandises là-bas, ça vous permettra de les vendre. Hein. Ouais, bien sûr. Après, pour le détail, je vais le voir avec mon ami, mais... Du coup, il te dit, si vous voulez, on peut aller demander à Georgia s'il a des petites boîtes pour que vous alliez vendre un petit peu de petits menus frottins en ville, si vous voulez. Ah non, je veux rien vendre du tout. Enfin, je regarde l'Alnar. Nous ne sommes pas là pour vendre vos marchandises. Je suis sûr que vous allez les vendre bien mieux que nous. Bah, ça c'est sûr, c'est un métier. C'est pas à la portée de tout le monde. Regardez cette jeune fille et crois qu'elle va y arriver comme ça. Alors, si un quart d'heure pile est passé, il y a Atalys qui arrive, essoufflée, en courant. Elle est encore en train d'attacher son armure. Mais elle voit qu'elle est à l'heure et elle fait Me voilà, je suis prête. Et elle finit de se préparer à moitié. Ah, mademoiselle, ça tombe bien, vous êtes la dernière cliente que je n'ai pas vue aujourd'hui. Est-ce que vous voulez acheter quelque chose? Cliente? Non, elle veut rien acheter. Non. On a autre chose à faire, on est déjà en retard. Alors, elle fait un sourire d'excuse au marchand, et elle regarde Hanks, elle est un peu impressionnante, elle fait, oui, du coup, peut-être plus tard? Quand on reviendra? Ouais, bon. Oui, j'ai compris. Allons-y, bon, quelqu'un a demandé à Georgia ce que nous devions visiter en ville? Ce qu'il y avait d'intéressant à voir? Non, il n'y a rien d'intéressant à voir en ville. Nous devons rencontrer un certain Orbeck, ou quelque chose comme ça. Eh bien, commençons par là. Et nous devons également ramener à ce monsieur, en montrant le nain Jiménez, le nom d'une personne pour lui vendre une roue. Une roue. Oui. Très bien, faisons ça. Bien, on va voir les amis. Tu sors du village là. C'est par là-bas? Il y a qu'une sortie. Mais... Quelqu'un sait où on va, typiquement, là où on y va? Oui, on va vers Col. Oui, non. Ouais. Georgia vous a montré du main du. Puis Hank qui connaît. Bah, j'en viens, moi, donc... C'est ça. Et puis, normalement, vous le voyez de là. Vercol est un petit peu sur une colline, donc vous arrivez à le voir de loin. Ok, vous venez. Okay. On change de petit pape. Est-ce que vous avez tous la vue? Vous allez me dire que non? Oui. Ouais, ouais. Non, c'est bon. C'est bon. Du coup, vous arrivez dans cette petite ville bien entourée par ces palissades bien épaisses. Vous voyez que, comme t'avais la veille, Hank, tu vois qu'effectivement les entrées sont encore bien surchargées. Mais bon, vous pouvez rentrer à l'intérieur. Les autres, ça leur plaît peut-être un petit peu plus. De voir que c'est sécurisé. Que c'est sécurisé, que la vie a
pris tout son essor ce matin, qu'il y a du monde, il y a des convois qui arrivent, des convois qui s'apprêtent à partir. Alors moi, je regarde s'il y en a qui portent des signes distinctifs de croyants d'Alana. Pour aller trouve, oui. Eh ben, je vais leur présenter mon tronc à offrande, pleine de confiance. Leur demander s'ils ont pensé à contribuer à l'église d'Alana ces derniers temps. Et s'ils en ont les moyens, s'ils veulent participer. Ça, je t'en bien. Tu trouves... Après, sauf si les autres me tirent par la manche, hein, mais sinon elle part. Non, Ilana, elle reste à côté de toi. S'il y en a qui essayent de fuir, elle leur fait des gros yeux. C'est la force de persuasion. C'est le gentil flic, madame, et le méchant flic. Oui. Mademoiselle, excusez-moi. Vous êtes une croyante d'Aliana, c'est ça? Oui, et c'est à qui que je m'adresse? C'est un enfant, un adulte? C'est une vieille dame. Ah, une vieille dame, très bien. Oui, bien sûr, ma bonne dame, je sers le culte d'Aliana depuis toute petite. Ça fait laver le cerveau, hein. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Oh, pourquoi, hein. Oh, ça fait longtemps que je crois en elle. Tenez, une petite pièce pour vous. Ah, merci, ma bonne dame, qu'Aliana vous le rende. Et du coup, je lui fais une petite bénédiction rituelle. Et bien un tour de magie, du coup, ça peut être. Attends. C'est à ça que ça sert, mes tours de magie de soutien, enfin de résistance ou de soutien. Assistance, voilà. Ça, c'est bon pour ses rhumatismes. Je vois que vous êtes né dans une bonne école. Ah, si je peux me rendre utile. Ah, ben c'est notre métier. C'est, excuse-moi d'être aussi pragmatique, mais c'est une petite pièce de quoi pour que je tienne le compte. C'est une petite pièce de cuivre. Très bien, merci à elle. Tout geste compte. C'est bon, on peut y aller. On arrive. Je dis merci, ma bonne dame. Nous cherchons quelqu'un pour vendre une roue. Vous sauriez pas où est-ce que, à qui est-ce qu'on peut s'adresser? Ah oui, pardon, acheter. Mais si, bien sûr, il y a une petite dame, là, bien sympa, comment ça s'appelle déjà? Mako. Eh bien, voilà. Et du coup, je fais signe à Oya, je vais y arriver, à Ankt. Et je lui dis, voilà, on peut se remettre en route et maintenant on sait où on va. Ouais. On suit la direction qu'elle nous indique. Vous pouvez me faire un petit jet de perception, s'il vous plaît. Oh, juste, j'aurais été chercher les deux loups, mais cette fois je les aurais laissés dehors, hein, Claude. Oui. Pas deux fois. Je pensais même que tu les aurais laissés, au relais, mais. Alors, perception... C'est pas fou. C'est plus en perception passive, d'ailleurs. Ouais, pareil. Erin, toi qui n'es pas très très vile, tu regardes un petit peu partout et effectivement, tu sens une petite présence masculine derrière... Des mecs qui sont en train de discuter en regardant un petit peu comment vous êtes looké, comment votre groupe est constitué. Et ils ont l'air un petit peu de se moquer de vous. Ah, je fais signe à mes camarades d'avancer, de se mettre en route et de pas trop traîner là. T'avais l'air de dire de savoir où on devait aller, Thalise. C'est ça? Oui, cette charmante femme m'a montré la route. Nous allons voir, j'ai oublié son nom parce que je suis mauvaise en prénom, mais elle m'a indiqué la route. Mako. Merci. Vous savez, il va falloir être vigilante avec moi et retenir les prénoms quand je les oublie. Hein.
Mako, okay, c'est bah, comme Maki, mais avec un O. Et Ilana, à la remarque d'Erin, elle va faire en sorte discrètement, par son placement, de regrouper ses compagnons, et elle va se mettre à un pas d'écart pour pouvoir dégainer au moindre souci, et avoir un groupe compact. Du coup, vous allez, Pion est tombé, sur une petite boutique, tout de plantes vêtues, avec pas mal de, ouais, de plantes, qui, sont devant la devanture, qui sont, des arbustes. Des arbustes? Ouais, des petits arbustes. Vous voyez qu'à l'intérieur de la boutique, il y a certainement autre chose, hein, plus des armes ou des trucs comme ça, mais devant, c'est vert. C'est... Oh, de la verdure, quelle bonne idée, ça égaye cette ville. Et elle rentre, elle pousse la porte de la boutique, elle rentre. Bah t'inquiète pas, il n'y a pas de porte. Donc comme ça, elle rentre dans la boutique. J'attendrai un petit peu. Moi, j'attendrai un petit peu devant, voir si les autres nous ont suivis, voir si, Oui, ils vous suivent de loin, mais effectivement, ils vous regardent. Parce que tu vois qu'il y en a un qui est parti d'un côté et l'autre, de l'autre côté de la rue et ils vous regardent. Tu nous as prévenu de ça ou tu nous as juste dit, on avance? Non, pas encore. Tout à l'heure. Prévenu. Ok, d'accord. Lana, elle va regarder, jeter un coup d'œil à Rin, elle va suivre la Thalys. Je préviendrai discrètement Alna en lui disant, te retourne pas, mais il y a, et je lui décrirai, je lui dirai, il y en a un humain habillé comme ci, comme ça, et un autre qui, a priori, nous suit depuis qu'on est rentré en ville. Donc, voilà, je sais pas du tout pourquoi, comment, mais, essayons d'être vigilants. Je sais pas si ça vaut le coup de prévenir tout le monde. Et est-ce que t'as vu s'ils avaient des brassards? A priori, non. Et puis je rentre pour pas trop pas alerter. Ok. Il y a Mako dans la boutique. Mako est devant vous. Je vais vous mettre sa petite trimousse. Voilà. Effectivement, vous remarquez une femme qui est pas forcément chaudement vêtue. Mais qui vous regarde d'un air assez assez sérieuse. Ça paraît pas trop commercial pour le coup, mais comme ça. Bonjour messieurs dames, qu'est-ce que vous recherchez par ici? Alors nous sommes envoyés par le nain comment s'appelle-t-il déjà? Et là je me tourne vers les autres. Timénès, et merci. Il a cassé la roue de son chariot, il aurait besoin de vous acheter une roue. Vous avez ça? En même temps. Oui, oui, bien sûr. J'ai ça dans mon stock. Sachez que c'est Kayemba qui m'a recommandé votre boutique. Vous pourrez la remercier quand vous la verrez. Oui, oui, bien sûr, je la remercie. Ceux qui te donnent de l'argent, tu vas faire. Hein? Ceux qui te donnent de l'argent pour Adriana, tu retiens leur prénom. Eh oui. Et je te fais un grand sourire. Toujours, quand je les porte dans mes prières, voyons. C'est Aliana qui parle à travers toi. Et du coup, je me tourne vers Mako, encouragée par Ilana, et je lui dis « Et vous voulez participer à l'élaboration du temple d'Alana? Vous voulez donner ?» Et je tends mon tronc comme ça. Elle te regarde, un peu perplexe. Pourquoi faire? Pour répandre les bonnes œuvres et la charité d'Aliana au sein de l'Empire et même au-delà. Bon. Ouais, petite pièce de kiff, si vous voulez. Tout est bon à prendre. Aliana vous le rendra au centuple. Si c'est donné, sincèrement. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous voulez une roue, c'est ça? Oui, s'il vous plaît. D'ailleurs, je n'ai pas bien compris, est-ce qu'on doit lui amener? Est-ce que...
C'est pour dire qu'il se démerde. Oui. Alors peut-être que vous pouvez lui amener. Vous voulez que j'aille lui emmener? Oui, certainement. Il est où? Au relais du Corbeau d'Or. Oui, d'accord. Je vais aller l'emmener. Ouais, je vais faire ça. Oui. C'est une bonne idée. J'ai quelques petites choses à lui demander. Oui. Et nous cherchons un certain Orbeck ou Orbech. Albrecht. Ou Albrecht. Et vous voulez quoi, ce Corbeck? On nous a dit qu'il était susceptible d'acheter des armes. Vous ferez avoir avec qui? Moi, je les veux bien, vos armes, si vous voulez. Je les achète. A priori, on nous a dit qu'Albrecht avait vraiment les prix les plus intéressants au niveau de rachat d'armes. Enfin, tu me dis si je me trompe, Alnar, ce que j'ai compris. Bah, disons que elle semblait pas très convaincue par le contact, mais si elle souhaite nous les acheter, je dirais pourquoi pas faire d'une pierre deux coups. Comment ça, elle? Qui c'est qui vous a amené à... C'est qui cette traîtresse? Elle pire. Oh. Oh, elle manque pas d'air. Oh là 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 là. Voilà, cette petite fille. Non, 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 non. Les prix, c'est ici. Vous les aurez pas ailleurs. Peut-être qu'elle ne connaît pas assez bien vos prix pour vous recommander, tout simplement. Non, 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 je sais bien pourquoi. C'est parce que l'autre jour, j'ai essayé de lui refourguer quelque chose et ça ne lui a pas plu. De lui refourguer. Bah, je vais en sortir un, déjà, pour avancer. Je vais sortir un cimetière du sac. Oh, impressionnant, ces armes. C'est de bonne qualité, dis donc. Est-ce qu'ils ont déjà servi? Disons que leurs propriétaires ne vont plus s'en servir. Alors là, Vitalis, elle fronce les sourcils. Vous les avez volés? Non. Nous avons combattu et... Ah, vous les avez tués? Ils n'ont pas survécu. Eh, vous les avez tués pour avoir les armes? Pas du tout. Nous voyons mal laisser des marchandises d'aussi grande valeur sur le bord du chemin. Et vous conviendrez que si cela tombe entre de mauvaises mains, cela n'est pas très bien vu. Tu sens que qu'une présence approche derrière vous. Mako? Alors, t'as des problèmes avec ces... C'est derrière nous? Ça vient de mon... Oui, moi, je me retourne. Moi aussi. Hank, tu vas peut-être pas avoir besoin de baisser la tête, mais vous allez tout baisser la tête. Pour voir cette petite dame, d'un certain âge, qui en envoie un petit peu quand même au niveau du... de l'allure. Mako, il t'embête ces gens-là? T'as besoin que j'ai foutu dehors? T'avais l'air d'être... C'est vous qui nous embêtez pour le moment. Okay. Pardonnez, mon ami. Bonjour, bonjour. Ils sont en train de faire de la vente. Ah, excusez-moi. C'est une dispute commerciale. Ok, très bien. Oui, vous savez ce que c'est. Alors du coup, je vais avec elle pour apaiser un peu le truc pendant que les garçons font leurs affaires. Non, personne ne dispute. On parle commerce, rien de plus. Ah, d'accord. Ah, bah, je fais attention, je fais gaffe aux bandits. Il y en a qui agissent des fois dans les rues. Ah, ça, vous avez bien raison. Jusque dans les rues. Eh oui. Faut bien qu'ils les vendent quelque part, si vous en cherchez quelques-uns, je crois qu'il y en a deux, trois qui traînent. Puis je vous indique la rue où j'en avais vu, il y en avait un ou deux les derniers que j'avais vus en les décrivant. Ceux qui nous suivaient si là. Vous voulez aller faire un tour, hein. Ouais. Ouais, mais j'essaie de faire persuasion. Ah, je suis sincère en le disant, hein. Mais ouais, je fais un geste, tu vois.
sinon c'est fou, c'est tromperie si jamais t'es pas sincère. Ah oui, là. D'accord, d'accord, je vais aller voir ça. Je ne sais pas si c'en est, mais en tout cas. Ouais, je vais aller voir ça. Comment ils sont, vous me dites? Un humain, blond, tu vois, je lui décris ce que j'ai vu, Ok. Les deux derniers. Ah! Ah, je vois de qui vous parlez. Je ne sais pas si ce sont des bandits, mais bon, ils sont un peu... Ils agissent bizarrement. Non, mais pas eux. Voilà, je vous inquiétez pas, c'est, comment il s'appelle déjà, c'est Podo, comment c'est l'autre, je sais plus quel est le nom du frère, là. Mais non, c'est des fils de marchands, vous inquiétez pas, ils cherchent des noises à tout le monde. Ce qu'ils aiment bien, c'est la bagarre, vous voyez. Faites pas attention à eux, ils vous embêteront pas. Ok, bon, je suis votre conseil. Merci. Excuse-moi. Où se trouve la garnison de Vercol, s'il vous plaît? Bah, je suis leur capitaine, si vous voulez, je vous y conduis. Oh! Veuillez patienter, j'aurais peut-être une conversation à avoir avec vous. Mais si vous me permettez, j'aimerais finir la... Si ça leur va, je commence à faire signe à la dame de sortir et on se met devant la porte. Ok, ça marche. Du coup, Mako reprend la conversation. Donc, comme ça, vous les avez tués. Oh, tout de suite, les grands mots. Ils nous ont attaqué en premier. La légitime défense, ça s'appelle. Athalys, elle veut pas entendre ça, alors elle ressort. Enfin, elle va aller se mettre... dans un coin près de la porte, entre les deux groupes, en fait, parce qu'elle veut pas être indiscrète avec Ilana, et en même temps, elle veut pas entendre des histoires de tuerie. Alors, elle se met dans un coin, puis elle attend qu'on ait besoin d'elle. Moi, du coup, pareil, moi, c'est la discussion commerciale, ça m'intéresse pas, et puis tout ce qui a rapport avec la garde, ça m'intéresse pas non plus, donc, du coup, je me pose contre un mur dans un coin, pareil, et puis j'attends qu'ils aient fini. Nathalie te fait un grand sourire. Patient. Et donc, vous avez une dizaine de cimetières. Combien exactement? Je crois qu'on en... si vous en avez un chacun, on doit en avoir 10, normalement, si j'ai bien... Ouais, je crois que c'est ça. Si j'ai bien compté. Ah ouais. Faut pas rigoler. Anna réfléchit. Ok. Alors, est-ce que... Hein? Alors, du coup, Athalys, elle entend la somme. Elle se manifeste comme ça, elle dit... Si par hasard il y a une partie dont vous voulez faire don au culte d'Alana, elle te dit oui, bien sûr. Si ça peut aider son culte, vous pouvez repartir avec le arbuste à l'entrée. L'arbuste, il va pas vous manquer? Non, vous inquiétez pas, j'en ai d'autres dans le jardin. Elle peut le transporter, Athalys? Il est un peu lourd. Je pense qu'elle va demander à Ilana de l'aider. Si, Ilana, elle peut le transporter si on lui demande gentiment? Enfin, elle pourrait? Physiquement? Après, il va falloir être persuasive. Mais j'ai une idée derrière la tête. Du coup, je te laisse avoir ta conversation, mais après, je viendrai te parler de cette histoire. Elle veut se faire un nouveau tronc. Du coup, on rajoute 230, c'est ça? Alors, moi, j'aurais juste besoin d'un bouclier, si vous avez ça en stock. Bien sûr, j'ai un bouclier en bois. C'est un bouclier standard, HRP, il n'y a pas de question de qualité. Un bouclier est un bouclier. Prends une roue, ça ira très bien comme bouclier. Il y en a un qui s'impatiente. Eh ben, je prendrai un bouclier en échange, si ça te va, Alna. En plus des 230 PO, ou en déduction, peu importe. Et combien va coûter ce...
bouclier. Oh, 15 PO. Hmm. Oh oui, quand même. Hurricane. On a moyen de savoir si c'est des prix justes, par hasard? Question hors jeu. D'accord. Dans ces cas-là, je vous propose une chose. Vous répartissez la somme des 230 PO de la manière qui suit. Vous faites 5 bourses de 45 PO, et les 5 restants, on les donnera au culte d'Aliana. Et bien entendu, le bouclier de mon ami, vous le déduisez de sa part. Athalie fait un grand sourire. Et elle tend son tronc d'alien. D'accord. On fait comme ça. J'ai pas tout compris. Mais ça me semble juste. Donc en gros, c'est moi qui le paye et il y a 5 PO pour Aliana. C'est ça. Si j'ai bien suivi. Et chaque joueur, du coup, peut se prendre 45 PO, à part Irine, où il se prend que 30. C'est ça.